Hey, salut à tous, c'est Shadow Nightmare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisque dans cette vidéo-là, nous allons parler de plusieurs choses que j'avais besoin de vous parler, tout simplement. Alors, je tiens à dire que voilà, vous n'allez pas voir de gameplay d'Assassin's Creed durant cette vidéo, je sais pas trop ce que vous allez voir. Ça fait la troisième fois que j'enregistre la vidéo, simplement, puisque plusieurs bugs. Mais bon, bref, ça, on s'en fiche contre fiche. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. Trois principales choses comme vous avez pu voir dans le titre. Enfin, j'espère que j'arriverai à le mettre dans le titre. Donc, premièrement, je vais vous parler d'un projet que j'avais envie de faire depuis quelques temps, que je me suis lancé à faire, qui est simplement un blog. Alors, un blog, quand je dis un blog, c'est pas un skyblog ou je sais quoi qu'on faisait quand on était gamin et quand on mettait nos photos et on écrivait en langage SMS, toi-même tu le sais. Non, non, là c'est un blog comme pas mal de monde actuellement. Du moins dans le milieu geek et jeux vidéo, il y a pas mal de personnes qui créent des blogs plus ou moins professionnels, hein. Il y en a qui l'écrivent, il y en a qui en font juste pour, voilà, partager leurs envies, etc. Puis d'autres qui le font plus professionnellement, pardon, en étant en partenariat avec des sites, etc. qui testent tel produit qui sort, ils vont tester le dernier iPhone, le dernier Samsung, etc. et vont faire leur avis, etc., etc. Donc moi j'ai décidé de faire un blog, alors pas pour faire, justement pas pour suivre, on va dire, la mode ou quoi, enfin, même si je trouve pas vraiment qu'il y ait une mode autour de ça, mais bref, c'est pas par rapport aux autres. En fait, tout simplement, j'avais l'habitude de suivre certains youtubeurs, enfin de base, voilà, certains youtubeurs, et j'ai vu que certains faisaient des blogs. Alors c'est pas vraiment sur eux que j'ai accroché, mais plutôt leurs certains collègues à eux qui étaient eux blogueurs et pas youtubeurs, qui étaient même plutôt contre les youtubeurs. Et certains blogueurs en fait m'ont donné envie quand j'ai lu leur blog. Au début j'étais un peu sceptique, je disais ouais c'est pas voilà. Puis quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories de blogs, hein, il y a ceux voilà comme j'ai dit plus professionnels et plus amateurs, on va dire ça, bah ça m'a donné envie petit à petit. Puis l'idée m'est passée, puis après j'ai décidé de mettre cette idée de côté là, mais de la mettre de côté, pas de la supprimer. Puis il y a pas longtemps, je me suis dit ça me donne de plus en plus envie. Il y a du monde qui disait oui, mais il y en a déjà qui l'ont fait, etc., etc., etc. Puis je me suis dit fuck, ma chaîne YouTube, pareil, hein, au début je suis pas le seul YouTuber sur YouTube. J'ai bien fait ma chaîne YouTube. Pour l'instant, voilà, il y a du monde qui me suit, donc je vais faire un blog, et puis ça marche pas, je m'en contrefous, et je vais le faire pour moi. Donc j'ai fait récemment un blog, hein, qui a le même nom que moi, Shadow Nightmare, je me suis pas vraiment foulé à chercher. Et donc le lien est dans la description, hein, et vous pouvez également le retrouver sur la bannière YouTube. Quand vous arrivez sur ma chaîne, il y a Twitter, Facebook, et à côté mon blog. Donc voilà, si vous voulez voir les liens facilement, donc le lien sera dans la description quand même, je tiens à le dire. Et en fait, alors, qu'est-ce que vous allez retrouver sur le blog que vous n'allez pas forcément retrouver sur ma chaîne YouTube? Il faut savoir que si je voulais faire un blog, c'était pour parler de choses, bien entendu que j'avais pas parlé sur YouTube, sinon c'était un peu débile quoi. Alors certes, par contre, à l'inverse, je parlerai peut-être de ma chaîne YouTube, et c'est même sûr, sur mon blog, et je parlerai peut-être des vidéos que je sortirai sur mon blog, mais il faut savoir que je vais parler d'autres choses. Vous n'allez pas retrouver le même contenu sur YouTube et sur mon blog. Sur mon blog, en fait, je vais simplement parler de choses comme quelque chose que j'ai voulu faire, mais que je voulais pas faire sur ma chaîne YouTube, qui est par exemple donner un avis sur un jeu vidéo. Alors ça peut être débile, hein. Beaucoup de youtubeurs le font, et je les respecte pour ça, parce que le problème c'est que ça crée des conflits. Pourquoi, par exemple, je vais prendre un exemple, Assassin's Creed Révélation. Pour moi c'est le moins bon de la saga. Ça c'est mon avis, Et d'autres pensent que c'est le meilleur, pensent qu'il est bien, etc., etc. Et ça je les respecte, chacun a son avis. On est tous différents, et si on était tous pareils, il y aurait des problèmes. Voilà, moi, voilà, par exemple ça, je ne l'aime pas. Et bah je ne fais pas de vidéo pour dire pourquoi je l'aime pas. Voilà, je trouve ça, voilà. Il y a des personnes qui eux font des avis. Moi je n'en fais pas parce que ça partirait en vrille dans les commentaires. Et alors certes, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour faire de l'interaction entre passionnés de Assassin's Creed ou de jeux vidéo. Mais le truc, c'est que je veux pas que ça parte en débat, etc. Puis après, ça part en couille, hein, on va se dire. Et je ne voulais pas ça sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai pas fait dans ce but-là. Je l'ai fait dans un but que ça soit voilà chaleureux et qu'on vienne pas là pour voir des guéguerres entre guillemets. Et j'ai pas fait ma chaîne YouTube pour les vues, parce que c'est sûr quand on part dans un débat ça peut faire des vues, enfin
quand. Enfin, bref, vous m'aurez compris, je pense. Et alors, par contre, la différence, c'est que ça, je pourrais le faire sur mon blog, puisque je voulais quand même le faire. Donner mon propre avis, donc c'est pas l'avis de tout le monde, c'est mon propre avis, sur des jeux. Alors, j'ai décidé, récemment, je sais pas à partir de quand ça commencera, etc. Je sais même pas quand cette vidéo-là que j'enregistre actuellement sortira, mais, comment dire, chaque semaine, je sortirai un avis sur un jeu vidéo, plus ou moins récent, hein, ça peut être très bien un jeu qui est sorti comme un jeu qui est sorti il y a des années. Voilà, je donnerai un avis sur un jeu vidéo, que ce soit positif ou négatif. Chaque semaine, voilà, je ferai ça. Alors, ça c'est pour, on va dire entre guillemets, ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne YouTube, mais que je ne pouvais pas faire dessus. Donc ça, vous aurez ça à peu près chaque semaine sur mon blog, je vais essayer d'être plus ou moins actif. Mais il faut savoir que voilà, je mettrai tout ce qui passera par ma tête. Bien entendu, ce sera pas des petits textes, puisque pour ça, il y a Twitter ou Facebook, ça paraît logique, il y a les réseaux sociaux pour ça. Moi, ce que je mettrai sur mon blog, c'est tout ce qui se relaye au milieu geek que j'ai et que j'ai envie de vous parler. Par exemple, si j'ai envie de vous parler de ma collection Assassin's Creed, bon certes, j'ai fait une vidéo dessus, c'est sûr, mais ça s'est plus ou moins agrandi depuis. Si j'ai envie de vous parler de ma collection Assassin's Creed, je vais en parler sur mon blog. Bien, ça sera pas pareil, puisque là, je serai pas limité à un temps, mais plutôt bah rien, puisque voilà, il y a rien qui me limite à ce que je parle. Donc ça qui est logique, c'est ça qui est bien. Vous allez me dire, sur YouTube aussi, je suis pas limité. Oui et non. C'est vrai qu'en temps, je suis pas limité, vu que les 15 minutes, je les ai dépassées depuis des années. Mais je me fixe 20 à 30 minutes. Pourquoi? Parce que simplement, pour moi, après je sais pas votre avis à vous, mais pour moi 20 minutes c'est le temps idéal, enfin 20 à 30 minutes, allez, 20 à 30 minutes c'est le temps idéal pour une vidéo, en tout cas un épisode de let's play. Après une vidéo, ça dépend ce qu'on a à dire là dedans, mais 20 minutes pour moi c'est le temps idéal. Je prends en compte mon propre avis, hein. C'est à dire que quand moi je regarde une vidéo, quand elle fait 20 minutes c'est génial, je dis pas oh c'est trop court, dommage, et je dis pas non plus c'est long, c'est chiant, voilà. Donc ça c'est mon avis. Et là avec l'écriture, je pourrais vous parler, voilà, je m'en ficherai parce que ça sera mon univers, ça sera encore plus mon univers que sur ma chaîne YouTube. Je pourrais très bien parler par exemple des t-shirts geeks que je reçois, de certaines de mes passions, mais qui restent quand même sur le jeu vidéo, etc. Et en fait ça parlera toujours d'un univers geek, enfin après c'est vrai que chacun en a sa définition du mot geek, mais plus ou moins multimédia si vous préférez. Ça sera très bien du jeu vidéo, comme des avis sur des groupes musicaux que je viens de trouver. Après voilà, ça restera des films par exemple, je sais pas, je viens de voir un film, imaginons, je sais pas, le prochain Spider-Man par exemple, The Amazing Spider-Man 2 sort. Bon, je vais pas le voir au ciné puisque je ne peux pas vu que je suis agoraphobe, mais je donne mon avis sur le film en l'ayant regardé, en l'ayant téléchargé légalement bien entendu. Je regarde le film, etc. Je pourrais vous donner mon avis sur le film aussitôt après, parce que j'en aurai envie. Tout sera fait par envie, toujours. Ça c'est comme ma chaîne YouTube. Mais voilà, ça sera, on va dire, plus large que ma chaîne YouTube, puisque ma chaîne YouTube se limite aux jeux vidéo, on va dire, hein, on va pas se mentir, ça se limite à ça. Même s'il y a quelques excès, etc. Pour l'instant, vous voyez surtout du jeu vidéo, puisque c'est ma passion première. Mais sur le blog, vous allez voir autre chose, voilà, qui tourne autour du milieu geek, de mon milieu geek, et des avis, etc. Et ce qui me passe un peu par la tête. Voilà. Donc après, faut aimer la lecture. Mais pour ceux qui aiment ça, eh ben, je vous invite tout simplement à suivre mon blog ou à regarder, hein, passer un petit coup. Alors, c'est un blog amateur, hein, bien entendu. J'ai essayé de me débrouiller tout seul, enfin je dis bien essayer puisque j'ai quand même des personnes à côté comme Amy ou Clem ou quoi qui m'aidaient à côté pour ce qui est, on va dire, de l'orthographe, puisque vous allez voir pas mal de fautes, hein, à cause de moi. Je suis pas très doué en orthographe, mais c'est pas grave, j'écris pas non plus, enfin bref, hein, on s'en fout, mais voilà, ça reste un blog amateur, il reste à améliorer, au contraire, hein, si vous avez des conseils, alors là je suis tout oui. Mais voilà, ça reste un blog amateur, donc ne jugez pas trop vite. Le lien est dans la description, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça, c'était premièrement, et c'est fait. Deuxièmement, je vais vous parler d'un projet que... je sais pas vraiment mon projet de base, mais que Monsieur Zidi, mon graphiste, a eu comme projet de faire, qu'ensuite je l'ai rejoint, et qu'ensuite mon meilleur ami l'a rejoint, et qu'ensuite une autre personne a rejoint, qui s'appelle Amy. Donc on est plutôt 4 ou 5, même un peu plus. À faire un projet qui s'appelle la Friends Geek Radio. Alors qu'est-ce que la Friends Geek Radio?
C'est simplement en fait un projet d'une radio geek, comme dit son nom. Alors pourquoi Friends Geek? Simplement parce que de base on est une team, enfin une team, bande de potes. On s'est appelé la Friends Geek Squad. On savait pas quoi trouver comme nom. Et en fait à la base c'était pour GTA, mais bref, ce nom maintenant est pour tout. Et on s'appelait la Friends Geek Squad et on cherchait un nom de radio. Et puis moi j'ai proposé à Clem la Friends Geek Radio, qui reste logique puisque ça dit Ami Geek, radio d'Ami Geek, quoi. Donc voilà, ça reste logique. Donc projet lancé par Clem. Après je l'ai rejoint, Axel l'a rejoint, etc. On l'a rejoint à plusieurs. Actuellement je dirais qu'on est 5. Ouais, je dirais qu'on est 5 à peu près. Enfin, on est 3 à parler, donc il y a Monsieur Zidi, Axel, Azul61, et moi. On est 3 à parler sur la radio. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette radio que vous n'avez pas retrouvé d'ailleurs? Alors, je tiens à dire d'ailleurs que ça se passe sur Twitch. Alors oui, je sais, Twitch n'est pas fait pour ça, c'est fait pour les vidéos de jeux vidéo. Mais simplement qu'on n'avait pas de support pour faire la radio. On a dû faire avec les moyens du bord, donc on a fait avec Twitch. Actuellement on voit, enfin Clément voit puisque c'est lui qui gère ça. Moi je suis nul, donc je gère pas ça. Mais Clem voit pour gérer un autre support qui pourrait être bien pour la radio. Si vous en avez, dites-le dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, alors qu'est-ce que vous allez trouver sur la Friends Geek Radio? D'ailleurs, déjà vous allez trouver 3 boulets appelés Monsieur Zidi, Shadow Nightmare et Azul61 qui vont parler de sujets actuels ou pas, ça dépend, du jeu vidéo. Il faut savoir qu'on est des amateurs bien entendu, qu'on sait pas trop s'y prendre, c'est le début. Et plus l'audience sera forte, entre guillemets, plus on aura de projets. On a déjà des projets par exemple de faire une sorte d'info, enfin vous savez comme les journaux d'infos, enfin bref, qu'on voit à la télé, quoi, le journal du 20h par exemple. Et ben nous on avait cette idée là de faire un journal tous les soirs et parler de ce qui est sorti dans la journée ou des actualités jeux vidéo tous les jours. Il y aura une chronique ou deux chroniques cinéma animées par Gérald Vidéo. Alors le lien sera peut-être pas dans la description d'ici que je vais peut-être oublier, mais en tout cas il est dans mes abonnés, donc vous avez juste à taper Gérald Vidéo sur YouTube et vous allez le trouver. Gérald Vidéo qui est très calé sur le ciné, donc il fera une critique cinéma. Pour l'instant ça reste sur papier. Il fera une critique cinéma sur un film qui va sortir et sur un film qui veut et sur des films qui sortiront le mercredi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tous les mercredis il y a 3 films qui sortent, généralement 3, enfin bref, il y a toujours des films qui sortent le mercredi au cinéma. Donc voilà, on aura une critique ciné. Après, en fait, plus l'audience sera forte, plus on va pouvoir vous proposer de choses. Ça paraît débile, mais en fait, c'est comme ça. Plus il y aura de monde, plus on pourra vous proposer de choses. Donc pour l'instant, malheureusement, ça se passe sur 2 heures. Donc faudrait que vous followiez, je vais pas réussir à le dire. Bref, il faut follow Friends Geek Live. Vous tapez Friends Geek Live sur Twitter. On n'a pas encore créé de Facebook, puisque c'est un peu plus galère. Mais j'essaierai de mettre le lien dans la description, faut que je le note quelque part. Mais d'ailleurs je vais le faire, bref, c'est du direct, hein. Mais vous allez devoir follow Friends Geek Live ou Friends Geek Radio, ça dépend, pour voir en fait quand est-ce que nous démarrons les sessions de radio, puisque nous le faisons pas tous les jours. Si on le faisait tous les jours on n'aurait plus rien à dire, donc on le fait tous les 2 jours à peu près, et actuellement on prépare rien, on est des boulets, mais on sera de plus en plus professionnel, on vous promet, si le projet plaît et marche. Ça, vous inquiétez pas que nous de notre côté ça va nous motiver et on va se bouger le cul pour faire un truc de plus en plus propre. On a des idées venant d'Emi Aizawa qui nous aident pas mal pour les idées. Je les ai mis de côté pour l'instant puisque voilà, l'audience nous le permet pas, puisque ça intéresserait personne, vu qu'en fait les personnes qui nous regardent c'est des amis à nous, donc enfin qui écoutent c'est des amis à nous. Donc voilà, ça c'est un projet donc que je voulais vous parler. Je voulais vous en parler avec Azul61 et Clem. Le problème, c'est que avec le Skype actuellement, on n'arrive pas à enregistrer nos convs, donc voilà, j'enregistre comme ça, je le fais pour eux, j'espère ne pas dire de bêtises pour eux, et j'espère qu'ils seront d'accord surtout, puisque je ne leur dis pas, mais ils verront ça après, donc voilà. Followez Friends Geek Live, vous serez au courant, donc on parlera de tout, hein, de tout ce qui est au milieu geek, tout simplement, mais voilà. L'audience, en fait, pour le départ, nous faisons des sessions de 2 heures.
de 2 heures de radio avec de la musique et nous après on parle, de la musique et nous on parle, de la musique, etc. Bon, c'est logique, hein. Mais ces trucs-là, enfin, le moment qu'on parle, on va parler d'un sujet que nous, on aura choisi. Ou vous aussi, vous pouvez interagir, mais actuellement, pas beaucoup de monde interagit, donc c'est plutôt nous qui choisissons les sujets. Par exemple, récemment, on a parlé du pack de GTA qui est sorti, etc., etc. Mais plus les abonnés monteront, plus on pourra faire de projets, comme mettre en place la chronique cinéma de Girald, mettre en place aussi une chronique en parlant de l'e-sport. Alors moi, je suis pas trop e-sport, hein, que ce soit e-sport League of Legends, Call of Duty, etc. Je suis pas trop ça, mais on aura des personnes entre guillemets qualifiés là-dedans, qui s'y connaissent, et voilà. Et plus il y aura de monde, plus des petits projets, des petites, comment dire, des petites émissions vont venir, vont voir le jour. Pour l'instant, voilà, nous n'avons pas d'émission fixe. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième angle que je voulais parler, donc de la Flames Geek Radio. Et soutenez-nous, on en aura besoin. C'est surtout le projet de Clem, hein, je tiens à le dire. Moi, je l'aide. Mais ça va nous faire extrêmement plaisir si, bah, si vous nous aidez dans ce projet. Le peu de monde, en tout cas, le peu d'abonnés qui est venu, que je connais de nom, qui sont venus sur la radio, on dit des points positifs, donc ça fait plaisir. Et après, voilà, ça demande qu'à être amélioré par vous. Tout simplement, c'est par vous. Sans les personnes qui nous regardent, c'est comme ma chaîne YouTube, et ça, je vais y revenir dernièrement. On peut pas avancer. Donc voilà, ça c'était pour la Friends Geek Radio. Donc, j'ai parlé de mon blog, de mon Friends Geek, enfin de la Friends Geek Radio. Et dernièrement, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas non plus sans reste, puisqu'il s'agit des 300 abonnés, oh my fucking god. Des 300 abonnés que nous avons dépassés, je crois que c'était le 24 novembre, à peu près. Je sais juste que j'avais la tête dans le cul quand j'ai regardé. Tout simplement. Donc ça, je vous en remercie énormément. 300 abonnés, ça fait beaucoup pour moi. Ça fait beaucoup, je sais que je dis ça à chaque fois, mais pour ceux qui me suivent depuis le début, déjà ça fait extrêmement plaisir que vous me suiviez depuis le début, mais ils savent que de base je m'étais fixé juste 100 abonnés. Donc là j'ai fait plus du double. Oui, plus du double. J'ai fait plus du double. Et c'est franchement énorme de voir que j'ai fait plus du double parce que je vais reprendre un terme que j'utilise à chaque fois, mais tu te fous 300 personnes devant toi. Bah, c'est pas rien quoi, 300 personnes devant toi, ça, tu remplis une petite salle sympa. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a plus en plus de monde qui me suivent, de plus en plus de monde qui regarde mes vidéos. Je vais pas vous mentir qu'à un moment, mes vidéos étaient moins vues. Alors oui, je ne fais pas ça pour les vues, mais on va pas se mentir que quand une vidéo fait des vues, on est content. On est content parce que du monde regarde, ça plaît, et ça fait encore plus plaisir de voir qu'une vidéo est appréciée. Bon, après, bien entendu, il y a des vidéos qui sont vues et qu'on sait très bien qu'elles vont être vues. Hein. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Les chaînes de Call of Duty, elles sont sûres de marcher. Call of Duty, ça marche. Comme les chaînes de Battlefield, comme les chaînes de Minecraft, comme... voilà. Surtout, ces choses principales. Voilà, c'est les sujets comme Call of Duty, Minecraft, Battlefield, c'est sûr de marcher. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté Minecraft, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai arrêté Minecraft, les vidéos sur Minecraft, parce que j'avais pas envie d'être catégorisé comme un youtubeur Minecraft. C'est pas parce que j'ai honte de jouer à Minecraft, mais je vais pas vous mentir, c'est simplement que la communauté que m'amenait Minecraft, en tout cas les vidéos Minecraft, je ne l'aimais pas, c'était des gamins, je dis les choses comme elles sont, hein, mais voilà, je préfère tout vous dire. Mais la communauté que m'amenaient les vidéos Minecraft ne me plaisait pas. Donc j'ai tout simplement arrêté les vidéos Minecraft. Et je me suis dit, si je perds des abonnés, je m'en contrefous. Mais voilà, je veux que les personnes me suivent pour du jeu vidéo et pas pour telle série. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui me catégorise comme Assassin's Creed. Mais ça me fait extrêmement plaisir par contre. Puisque c'est une licence que j'apprécie, que j'adore extrêmement. Donc ça par contre, que voilà, qu'on me catégorise comme joueur Assassin's Creed, ou par exemple on dise oh Shadow il fait que du Assassin's Creed, à la limite, bon déjà c'est faux, je fais pas que ça, mais ça me fait plaisir, ça me fait plus plaisir. Par contre, comme disait voilà, j'ai déjà eu un abonné, hein, j'étais étonné, vu mon peu d'abonnés, j'étais étonné, quelqu'un qui m'a dit t'es pas le vrai Shadow Nightmare, tu fais pas de vidéos sur Minecraft, puisqu'en fait ça faisait quelques mois que j'avais arrêté. Et j'ai dit si, mais simplement que ça me lasse quoi, j'ai pas envie. Et c'est à partir de ce moment là que je me suis rendu compte que la communauté n'était pas celle que je voulais. Et donc j'ai stoppé les vidéos Minecraft. Ça reprendra peut-être, mais pour l'instant j'ai pas envie. Déjà parce que j'ai plus l'envie du jeu. Et simplement parce que voilà, j'aimais pas la communauté qui vienne.
Donc bref, mis à part cette parenthèse, je vous en remercie extrêmement de me suivre, de voir que mes vidéos, comme je l'ai dit un peu avant, c'est vrai que mes vidéos étaient moins vues à un certain moment. J'ai pas voulu arrêter ma chaîne puisque moi je fais pas ça pour les vues et tout, mais c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur de voir que, bah par exemple, mes épisodes Let's Play étaient moins vus. Je comprends hein, que les Let's Play soient moins vus, c'est logique. C'est une série, c'est normal, c'est un peu logique que peu de monde suive. C'est normal, mais ça me faisait un peu mal au cœur. Puis après, c'est revenu et ça, voilà, ça m'a un peu rassuré. Et des nouvelles personnes m'ont suivi. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vais pas remercier tout le monde parce que le problème, c'est qu'en fait, j'ai peur de rater du monde. Et je préfère faire ça, par exemple, ce que je me suis fixé, c'est je ferai une vidéo remerciement complète, puisque là je parle de trois sujets en même temps, mais je ferai une vidéo remerciement, si un jour, alléluia, j'atteins les 500 abonnés, je ferai une vidéo remerciement, ça oui, avec, j'essaierai de faire une liste, que ce soit la voix, ou peu importe, quelque chose qui soit pas chiant pour vous, de toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début sur YouTube. Ou enfin voilà, ça peut être des personnes très bien IRL comme IVL, mais je ferai une liste complète parce que là voilà, j'ai les personnes qui m'aident le savent très bien, les personnes à qui je dois quelque chose le savent très bien, même certains me diront que je leur dois rien, etc. Mais les personnes qui m'ont aidé simplement, ça peut être n'importe qui, ça peut être toi qui regardes cette vidéo en ayant par exemple juste retweeté une de mes vidéos, etc., ou retweeté un lien à moi, et ben voilà, juste à faire ça, vous aidez quand même un petit youtubeur, ça peut être comme moi, ça peut être d'autres personnes. Et juste un retweet par exemple, sur Twitter bien entendu je parle, hein, mais même sur Facebook, quand vous partagez par exemple une de mes vidéos, et ben voilà, c'est déjà, même si vous l'avez même pas regardé, c'est déjà une aide que vous faites en l'ayant partagé ou en l'ayant retweeté. Et voilà, juste vous qui faites ça, par exemple, je vous en remercie. Chaque personne qui regarde mes let's play, qui regarde mes vidéos autres que Assassin's Creed aussi, je vous en remercie. Chaque personne qui s'abonne, bien entendu, je vous remercie. Je remercierai toutes les personnes un jour, mais voilà, en attendant, c'est vous que je remercie, les personnes qui vous abonnez à ma chaîne, qui me suivez pour ce que je suis, pas forcément pour de la qualité parce que je m'estime pas être un youtubeur de qualité, passionné oui parce que je partage ma passion des jeux vidéo, mais voilà, après j'ai pas le meilleur micro au monde, mon micro c'est un micro à 20€ que j'ai acheté sur Pixmania je crois, voilà, avec mes propres moyens. Mon ordinateur, c'est pas le meilleur au monde. Je crois que c'est un ordinateur que j'ai pas payé cher, qui arrive juste à faire mes vidéos. Et voilà, niveau qualité, c'est pas la meilleure du monde. C'est pas la plus dégueulasse non plus. On va pas se mentir. Hein, il y a des youtubeurs qui marchent très bien sans faire une qualité parfaite, pardon, comme d'autres gros youtubeurs. Il y a bien des gros youtubeurs aussi qui font des vidéos de merde. Hein. On va pas se mentir. Je sais que j'ai pas à juger, mais il y a bien des vidéos que je regarde, que je me dis bah au final je suis pas plus mal que lui, mais voilà, la personne que je remercie c'est vous, donc je remercie encore pour les 300 abonnés. Actuellement je suis sur ma page YouTube, on est 302, donc c'est, en fait je suis étonné de voir, je vais pas vous mentir, quand j'étais on va dire petit youtubeur, quand j'avais 100 abonnés, je m'amusais à aller sur la page de Diablo X9 oui je sais, Diablo X9 ou d'autres youtubeurs que je suivais à l'époque, et ce que je m'amusais à faire c'est de regarder le nombre de youtubeurs d'abonnés, je rafraîchissais sa page, et là on voyait qu'il avait pris 100, 1000, 2000, 3000, pas mal d'abonnés en faisant F5, et toi, tu regardes ta chaîne et tu fais F5, et ça le fait pas. Et moi il y a des jours où je suis étonné, et je vais pas vous mentir, il y a une journée où j'étais étonné, je regardais ma chaîne YouTube, et j'ai l'habitude de regarder, c'est logique, hein. Je regarde ma chaîne YouTube, je crois qu'on était à 283 abonnés, un truc comme ça, je fais F5, et je vois 284, et je dis tiens, je refais F5, 285, et j'étais étonné, voilà, c'est une petite anecdote, mais ça m'a fait marrer, et voilà, ça fait plaisir de voir que bah il y a de plus en plus de monde. Donc je vous remercie, et je vais vous lâcher cette fois, avec mes remerciements, d'être 300, plus de 300 abonnés maintenant, je dis 300, mais on est plus de 300, ça peut peut-être décevoir que je fasse pas une vidéo spéciale, si ça tenait qu'à moi, et ça, j'en suis vraiment vraiment désolé. Je vous ferai un jeu concours ou quoi que ce soit. Malheureusement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou quoi, ils savent très bien que je n'ai pas les moyens actuellement de pouvoir débourser quelque chose pour vous. Le jour où j'aurai les moyens, j'essaierai. Pour l'instant, je ne peux pas. J'ai voulu faire gagner un code 3DS pour Animal Crossing,
Mais c'était compliqué, fallait avoir une 3DS XL, etc., etc. Et au final, bah, peu de monde pouvait avoir accès. Alors que moi, bah, par exemple, je voudrais que tout le monde y ait accès, que ça soit des joueurs, Nintendo, Sony ou Microsoft, quoi, ou même PC. Voilà, c'est juste ça. Et actuellement, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre, malheureusement, déjà pour moi, de m'offrir certaines choses. Et encore moins pour vous. Donc j'en suis désolé. Pour l'instant, ce que je peux juste vous offrir, c'est mon amour. Je sais, c'est pourri comme phrase. Parce que voilà, je peux juste vous remercier sincèrement de suivre mes vidéos, merdiques qu'elles soient, mais de les suivre. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc cette fois, je vais vous lâcher, parce que je pense que vous avez envie de vous endormir devant toutes ces vidéos. Devant toutes ces vidéos, devant tous ces discours. Donc une nouvelle fois, je vous invite à suivre mon blog si vous l'avez pas encore, enfin si vous n'avez pas encore cliqué, bah allez cliquer, mon dieu. Non, voilà, si vous voulez suivre mon blog, bah suivez-le. Si vous voulez pas le suivre, bah suivez-le. Je vous invite par contre, franchement, et ça nous ferait très plaisir à moi et surtout à Monsieur Zizi, vu que c'est son projet à lui, d'aller suivre la Friends Geek Live, enfin Friends Geek Radio sur Twitter, mais c'est @FriendsGeekLive, d'aller les follow. Enfin, d'aller follow le compte, c'est moi qui gère le compte, mais ça, on se le dit entre nous. Et voilà, de nous follow et de nous donner vos avis pour nous suivre. Et si vous avez des suggestions dans la description, vous les notez, ce sera avec plaisir. Et je vous remercie encore énormément pour les plus de 300 abonnés. Sur ce, je vous laisse. C'était Shadow Nightmare. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Geek et bien. Tchuss!